Regardez-le, il est trop mignon. Un petit bijou technologique. Je suis très heureux de t'accueillir à la maison Kicker. Aujourd'hui, je suis super content. Ça fait 3 mois que j'ai un produit, 3 mois que j'ai envie de vous en parler. Puis j'ai attendu parce que je voulais vraiment le connaître par cœur pour pouvoir vous en parler. Autant un smartphone, c'est plus évident, j'ai l'habitude. Il y a des vraies différences entre certains smartphones. Certains demandent plus de temps de prise en main que d'autres. Mais là, ce produit, il demandait vraiment une vraie belle connaissance solide, prendre beaucoup de temps pour pouvoir vous en parler. Et je suis super content, j'ai super hâte. C'est un robot qui s'appelle Kicker, qui est développé par une marque française, par une entreprise française. Je suis hyper enthousiaste parce que vous allez voir, ce robot, il est complètement ouf. Il a une vraie belle place dans notre foyer. Et vous allez voir tout ce qu'on peut faire avec. Mais juste avant, je vais vous montrer quelque chose. Première chose, ça, la lampe. Tout nouveau, alors ça c'est une idée de mon fils, hein, pour mon anniversaire, il a dit bah papa on va lui mettre un joli cactus dans son bureau, voilà donc on a une toute nouvelle lampe cactus, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous trouvez que ça va bien avec le reste? Alors il va y avoir pas mal de modifications dans le studio, il y a pas mal de choses qui vont changer, dites-moi comment vous la trouvez cette lampe-là, et puis regardez ce qu'on a reçu aussi en colis aujourd'hui, ça c'est un truc de ouf, je suis hyper content, on va parler de photos, parce qu'on parle pas beaucoup de photos, et pourtant il y a vachement de choses cool à dire, c'est un appareil, la marque c'est Lomographie, alors c'est un appareil un peu à l'ancienne, ça vous sort des clichés instantanés, donc là on a pas mal de choses à tester, on a des filtres, on a du papier, je vais recevoir un autre colis normalement demain avec encore un peu plus de matos, et là vous allez voir, ça va être cool, et ça pour la fête de fin d'année franchement, ça va déchirer, grave. Je sais pas si vous avez fait gaffe, mais là dans le studio ça devient un peu tout et n'importe quoi en termes de matos, il y a tellement de trucs que je ne me retrouve pas là, entre une moto, une trottinette électrique, entre... Oh, j'ai tout tombé aujourd'hui. Entre toutes ces choses-là et juste là, il est là, il est beau, il est chaud, voici Kicker. Aujourd'hui, c'est une journée un peu particulière. Ici, dans cette boîte, vous avez un nouveau membre de la famille. Certains prennent des chiens, des chats, nous, on a décidé de prendre un robot. Je vous présente donc la boîte de notre nouveau compagnon, c'est Kicker. L'idée, là, tout de suite, là, maintenant, c'est de l'ouvrir, de le sortir, voir un peu ce qu'il y a dedans. Dans quelques jours, je vais continuer la vidéo, donc je vais paf, breaker. Je vais revenir dans quelques jours pour comprendre comment ça marche, à quoi sert Kicker, à quoi nous servent les robots, qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter et en quoi ce robot qui a été dessiné, pensé en France est cool. Et ça c'est cool parce que ça nous permet de voir que les entreprises françaises sont top au niveau de l'high-tech. Là, ils fabriquent des robots, c'est génial, bravo. Je suis hyper content parce que c'est un peu un rêve de gamin. Je sais pas vous, mais moi gamin, je rêvais d'avoir les robots compagnie, mais... C'était de la science-fiction, et là, la science-fiction, elle est là. Oh. Hi there, so happy to meet you. Kicker rocks my home. Yes. J'ai l'impression de découvrir R2-D2. Salut Kicker, bienvenue à la maison. Regardez-le, il est trop mignon. Oh la vache, c'est génial. J'ai trop hâte de le mettre en service, de voir comment ça marche. Oh. La vache. Un petit bijou technologique. Je suis très heureux de t'accueillir à la maison Kicker. Je suis de travers. Ça va mieux comme ça. Voilà Kicker. Alors Kicker, c'est un petit robot. C'est un robot intelligent. C'est pas juste un petit robot qui est là pour vous tenir compagnie, pour être présent, dire deux ou trois trucs. Oh, Kicker, il a un vrai sens. C'est une vraie machine qui est bourrée de technologie. C'est, je vous disais, une entreprise française qui l'a développée. Je les ai rencontrés il y a pas très longtemps. Le début de Kicker, c'était ça en fait. Le début, c'était ça. Ouais. Et ça a grincé, c'était horrible. Mais c'était vraiment dans le garage, quoi, tout seul. Ouais. Et après, on est parti sur un autre qui est plus grand là-bas. Ouais. Après, c'était celui-ci, donc beaucoup plus gros. Ouais. Fondamentalement, à l'intérieur, c'était pas très joli. Il y avait plein de fils, plein de câbles. Yes. Donc on a voulu c'est énorme. Simplifier. Oui, c'était énorme, c'était 22 kilos. Donc c'est très 22 kilos là, la bête. 22 kilos. Ah, oui. Rien que ça, c'est 2,5 kilos en fait. D'accord. Parce que c'était du plastique plein et fait à la main, etc. Et c'était notre premier CES 2014. D'accord. Et après, on a eu un autre proto, ouais. Qui est pas là parce qu'il n'était jamais vraiment utilisable.
Ça c'était 2015 et en 2016 on a fait ce premier là qui était quasi industriel et à partir de celui-ci on a designé les derniers qui sont maintenant en production. Ce qu'il y a là c'est un vidéoprojecteur. Vous pouvez projeter sur un mur à 1,50 m de recul. Là ça vous fera une diagonale de 2 mètres, je vais vous montrer ça hein, d'ici quelques instants. Vous pouvez carrément vous reculer et là ça vous fera un grand écran, beaucoup plus grand que ce que vous pouvez avoir avec une télé, enfin un truc complètement oufissime. Et surtout ce qui est génial c'est que la caméra elle est complètement orientable. Le vidéoprojecteur bouge, c'est moi qui choisis où je le mets. Je choisis l'inclinaison, je choisis comment je veux l'orienter. Ça vous permet de mettre des images au plafond, ce qui fait que lorsque vous allez regarder votre film dans le salon, vous l'avez projeté sur le mur, vous avez marre, vous dites on va regarder la fin du film dans le lit, vous êtes dans votre chambre, vous mettez kicker, il projette au plafond, vous êtes couché, vous n'avez plus qu'à vous endormir, c'est juste oufissime. Là je suis dans ma chambre, j'ai envie de me regarder un film, j'ai envie de me poser, alors ce que je vais faire déjà, je vais éteindre la lumière, voilà, on voit moins bien. Je me couche sur mon lit tranquille, j'ai envie de finir ma petite soirée en me regardant un film peinard que j'ai commencé à regarder de l'autre côté dans mon salon, ben je fais quoi? Eh ben regardez, hop, je regarde Star Wars directement au plafond, et croyez-moi, voyez, kicker est juste là, au bout de la pièce, il projette, moi je suis là, j'ai plus qu'à regarder Star Wars, et franchement je suis au top. Vous pouvez projeter en 1080i, en 720p, luminosité c'est du 1000 lumens, vous avez plus de 20 000 heures de visionnage. Il fait pas beaucoup de bruit, il fait moins de 25 décibels. Ça c'est le bruit fait kicker. J'ai vraiment mis le micro contre. C'est du 25 décibels, en dessous de 25 décibels, ça fait pas beaucoup de bruit. La taille de l'image, vous allez de 52 cm à 359 cm. Je peux encore agrandir, complètement agrandir. Ça dépend après vraiment de la taille de votre pièce, mais voyez, là je fais une distance de quoi? Je fais une distance de 3 mètres, je peux faire un truc énorme et je peux encore reculer kicker. Là j'ai reculé kicker et là c'est pareil, c'est juste énorme ce que je peux faire. Alors ça dépend bien évidemment de votre maison, ça dépend de ce que vous voulez. Vous voyez là je l'ai mis une distance qui est quand même beaucoup plus proche, on est quoi là? On est à 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre 50. Ça vous permet d'avoir du contenu multimédia, quelle que soit la distance, vous l'adaptez complètement à votre maison. Mais ce qui est ouf, complètement ouf, c'est l'audio. Là, vous voyez il y a du son, je vais le pousser à fond pendant pas longtemps. Vous allez voir, c'est hallucinant. C'est très fort. Vous allez jusqu'à 117 décibels. Prévenez vos voisins, ils vont partir en courant parce que c'est extrêmement fort. Si vous poussez à fond le son, 117 décibels, c'est énorme. Par contre, la qualité, elle est complètement dingue. Vous avez 4 haut-parleurs full range de 10 watts, ça marche super bien. Et vous avez un caisson de base de 50 watts. Moi, j'étais surpris. Quand je l'allumais au début, je l'ai pris, j'ai mis ma vidéo, je me suis regardé une série, j'ai halluciné la qualité du son. Alors, ce qu'on pourrait lui reprocher, c'est que lorsque vous allez le positionner, vous avez une seule source, mais si vous avez 4 HP, ça diffuse d'une seule source. Donc, on n'a pas la même sensation d'immersion que si vous aviez un 5.1 ou ce que vous voulez. Par contre, la qualité, la restitution audio est complètement bluffante. Kicker, pour l'allumer, vous avez derrière un petit bouton, juste là. Je sais pas si vous entendez, là, il est en train de se réveiller. Ça y est, là, il y a Kicker qui vient de se réveiller. Il a allumé le vidéo proche. Maintenant, il n'a plus qu'à attendre les ordres. Vous avez votre appli, vous pouvez régler ici l'orientation, le mettre plus haut, plus bas. Vous pouvez choisir de mettre Netflix, par exemple, si vous voulez. Là, c'est les dessins animés de mon fils. Donc là, je peux lancer ce que je veux. Là, par exemple, on va se mettre quoi? Les lapins crétins, hop, lecture. Et là, ça met directement mon dessin animé. C'est hyper intuitif. Je me déplace uniquement avec mon petit pavé comme ça, tactile dessus. Je peux aussi naviguer comme ça directement sur les boutons. Ou alors, j'ai carrément accès ici au clavier si je veux taper des choses. Donc ça, c'est franchement hyper cool. En termes d'usage, vous avez vraiment le choix. YouTube, Airscreen, c'est pour caster ce que vous voulez, que ce soit Canal Plus ou compagnie. Vous avez Google Assistant, bien évidemment. Vous avez votre télé, vous pouvez piloter votre maison. Là, vous voyez la température, il ne fait pas très chaud tout de suite. Hein. 18,9 à la maison. Il va falloir, je pense, à monter un petit peu le chauffage. J'ai un taux d'humidité de 58%. Donc là, j'ai ma télé, Netflix, mes galeries de photos que je peux piloter directement de la même manière. Mes films et mes séries avec Google Play. Google Play pour jouer à des jeux, ça c'est cool. J'ai Google Play Musique. Donc là, c'est pareil. Je peux m'écouter toute la musique que je veux. Par exemple, on a un abonnement, nous, Netflix. Donc Netflix, il est en natif directement sur Kicker. Donc ça me le met directement. Mais on a aussi un abonnement Canal+, tablette et smartphone. Pas du tout sur la télé. Donc techniquement là-dessus, Canal+, pour l'instant, dans les applications, je l'ai pas. Mais je l'ai par contre directement sur mon téléphone. Et c'est là où ça devient hyper intéressant. Je vais lancer mon appli Canal. Là, je me suis mis Star Wars. Et Star Wars, je voudrais bien le mettre sur Kicker. Ce que j'ai à faire, je clique ici. Ça me trouve Kicker en haut. Je clique en haut sur Kicker. Et là, je passe
part de mon application Canal+, avec une diffusion directement sur Kicker. Donc Kicker me permet de regarder directement toutes mes séries, tous mes films de Canal, directement là. Et ça, c'est cool parce que je peux caster énormément de choses. Ensuite, Kicker, vous avez des caméras. Vous avez une petite caméra qui est située ici à l'avant. C'est une caméra de 5 mégapixels qui vous servira lorsque vous allez vous déplacer. Vous avez sur-dessus une caméra Sony de 13 mégapixels. C'est un fisheye qui vous servira à voir à 360 degrés. Je peux activer les caméras, caméra frontale, caméra à 360 degrés. Ça, c'est la caméra frontale. Je peux ensuite passer un petit coup de fil directement sur Kicker. Il me voit là. Là, c'est ma tronche dans le téléphone. Vous me voyez là, je suis en train de me filmer. Et là, hop, il est en train de partir de l'autre côté. Donc lorsque vous voulez faire de la visioconférence, faire quelque chose de professionnel ou juste parler à votre famille lorsque vous êtes loin, vous avez votre appli Kicker. Je peux piloter mon Kicker, ce qui fait que dans ma maison, je peux me balader, voir un petit peu où je suis, voir ce que je fais. Donc ça, c'est cool. Et ensuite, j'ai la caméra à 360 degrés qui est sur le dessus de Kicker. Je peux me déplacer, regarder tout autour de moi ce qu'il y a. Autre point qui est hyper cool, Kicker, il connaît votre maison parce qu'il va complètement cartographier votre intérieur. C'est une des premières choses à faire lorsque vous allez l'installer. Vous allez lui faire faire un tour complet de votre baraque, le faire passer vers les murs. Lui, grâce à ses capteurs et grâce à sa caméra à 360 degrés, il va repérer les murs, les obstacles, les formes des pièces. Et il va complètement vous cartographier votre pièce. Ça, typiquement, c'est la maison. Kicker sait exactement où il est. Il sait où est sa base de recharge. Il peut y aller tout seul. Vous pouvez lui mettre des points d'intérêt. Par exemple, on lui dit, tiens, là, tu t'installes ici dans le salon. C'est l'endroit idéal. Tu mets de telle manière le vidéoprojecteur à telle hauteur, avec tel focus. Vous allez mémoriser tout ça en un seul et même point. Vous lui dites, Kicker va ce point d'intérêt. Il y va. Il va projeter comme vous le voulez. Et ça, franchement, c'est hyper, hyper cool. De la même manière, vous allez complètement créer toutes les pièces de votre maison. Donc, vous pouvez lui dire, Kicker va dans le salon. Kicker va dans la chambre, si et ça. Pour lui parler, c'est hyper simple. Il suffit de dire, hey, Kicker, va dans le salon, il y va, il est malin, il comprend tout. D'ailleurs, il a compris là, il est en train de partir. Ce qui est cool avec Kicker, c'est qu'il repère les obstacles, il est franchement malin, il a plein de capteurs autour de lui, il sait où il va et s'il se perd, il va s'arrêter. Bon, bah là, je l'ai un peu déplacé de façon sauvage, donc il s'est un peu paumé. Normalement, il faut pas le porter, hein. Vous le laissez se déplacer tout seul et il retrouve son chemin tout seul comme un grand. Là, il cherche la solution, il a des capteurs de proximité, ce qui fait qu'il va pas contre les murs, il repère les obstacles. Ça, franchement, c'est hyper cool, Kicker est complètement autonome. Il fonctionne en Wi-Fi aussi, en Bluetooth 4.1, sur iOS, sur Android. Et en termes de performance, vous avez un Qualcomm Snapdragon 820 4 coeurs qui est cadencé jusqu'à 2,2 GHz. Vous avez 3 Go de RAM. Il est dispo soit en 32 Go de stockage, soit en 160 Go de stockage. J'ai aussi mes alarmes, ma veilleuse, ma patrouille. Ma patrouille, lorsque je veux qu'il surveille la maison, je peux créer une nouvelle patrouille. Je vais lui dire, tu vas visiter de telle heure, une fois ou plusieurs fois, telle pièce. Tu vas jeter un petit coup d'œil. Je lui créer en gros des programmes pour aller vérifier lorsque je suis pas là, faire le tour de la maison, c'est plutôt pas mal et dès qu'il y a un problème, il va m'envoyer des infos. L'autonomie, on a une batterie de 12 ampères heure. Franchement, j'ai jamais eu aucun problème. En plus, ce qui est cool, c'est que Kicker, il est très intelligent. Donc, dès qu'il voit qu'il a plus de batterie, il va tout seul sur sa base surcharger. Donc, du coup, vous l'utilisez la journée, il surcharge la nuit. Vous verrez quasiment pas se vider. Vous pouvez regarder des films, des séries pendant 6 heures. Donc, franchement, vous êtes vraiment tranquille. Et en plus de ça, vous pouvez le piloter avec Google Assistant, avec Amazon Alexa. Et Kicker, s'il vous intéresse, je vous ai mis un lien en bas. Il coûte 1790 € et vous allez voir ce qu'on peut faire avec. C'est juste bluffant. Il y a quelques jours, il y a la voix de Kicker qui est arrivée, il peut vous répondre, ça c'est cool. Il y a aussi une autre application qui va arriver, qui va être mise à jour très 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 rapidement. C'est le tactile sur vos murs, vous allez pouvoir toucher et modifier, scroller. Il y a aussi la fonction Follow Me qui va arriver d'ici quelques jours. Vous vous déplacez, hey Kicker, suis-moi. Kicker vous suit, il va venir avec vous dans la cuisine, dans la chambre d'enfant pour faire ce que vous voulez. Mais ça c'est cool, enfin voilà. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que comme ce robot, il est bardé de capteurs, il y a des caméras, il y a des micros, il y a le vidéoprojecteur, il y a vraiment plein de choses. Ça veut dire qu'à l'avenir, il y a plein de nouvelles fonctionnalités qui vont arriver et Kicker au final, c'est pas seulement un robot vidéoprojecteur qui fait de la musique, qui peut vous réveiller, surveiller votre maison ou faire de la vidéoconf, c'est vraiment un robot évolutif. Maintenant, point négatif de Kicker, c'est que si vous avez une maison avec des escaliers, ça va pas le faire. Il va pas être capable de monter des escaliers, ce n'est pas un robot avec des jambes, c'est un robot à roulettes. C'est une vraie belle innovation, ça montre un petit peu là où on va aller au niveau de la robotique domestique, avec des robots qui vont prendre une place beaucoup plus importante. Alors là, on n'est pas sur un robot intelligent. Kicker, il applique ce qu'on lui dit, il suit les commandes, mais il n'est pas intelligent. Mais c'est un peu là où on va aller à terme, si vous voulez, au niveau de la robotique, c'est de se dire que des robots comme Kicker vont finir par avoir une intelligence artificielle et vont pouvoir communiquer avec eux. Mais comme on est sur une petite boîte à taille humaine,
ils peuvent pas développer de l'intelligence artificielle en même temps mettre en place de nouvelles fonctionnalités. Ils doivent faire des choix, ils peuvent pas aller dans toutes les directions, d'autant plus qu'une vraie intelligence artificielle, ça demande des coûts de recherche et développement qui sont complètement énormes. Mais ça, c'est des choses, à terme, on va y arriver d'une manière ou d'une autre. On verra d'ici quelques années, c'est une certitude. Des robots comme Kicker avec qui on va pouvoir parler d'une manière fluide, qui vont être intelligents, qui vont comprendre nos besoins, qui vont y répondre et qui vont être vraiment proactifs. Il nous faut encore un peu de patience, mais d'ici là, si vous voulez un robot domestique qui a une vraie place à prendre en termes d'usage, Kicker est franchement cool et je peux vous inviter à le découvrir si vous intéresse. D'ailleurs, je vous ai mis un lien en bas dans la description et dites-moi vous ce que vous en pensez. Comment vous trouvez déjà cette solution Kicker? Est-ce que vous trouvez que le robot est cool? Est-ce que vous trouvez intéressant ce petit R2-D2? Est-ce que vous pensez que la robotique va avoir une place prédominante dans nos foyers? Est-ce que vous pensez qu'on va avoir de plus en plus de robots? C'est vraiment un sujet hyper passionnant. En tout cas, moi j'y crois vraiment. Kicker, je le trouve cool. Je vais continuer à faire plein de sessions et puis mon fils est très heureux parce que je lui mets dans sa chambre. Wow, c'est les dessins animés. C'est merveilleux. Voilà, bon, vous marquez tout ça. On reste connecté. On va parler de plein de choses. La robotique, on va en reparler d'ici quelques jours au CES à Vegas. Je vais essayer d'aller voir un petit peu ce qui se trame, ce qui se passe. Et puis, il y a plein d'autres sujets hyper cool. Donc, je vous invite à vous abonner. Voilà, soyez sages. À très bientôt. Ciao.